Après la mort de mon père, Mohamed Harkoun, j'ai éprouvé le besoin d'écrire sur sa vie, sur ce qu'il était, parce que je me suis aperçue aussi que je ne le connaissais pas, qu'il y avait beaucoup de facettes de sa personnalité que j'ignorais. C'est devenu un besoin assez fort d'enquêter sur sa vie, sur sa personne et de témoigner dessus. La manière dont j'ai écrit est un mélange en fait entre mes propres souvenirs de fille, qui il était en tant que père, nos rapports père-fille, mais surtout une enquête sur sa vie professionnelle, sur son enfance, sur ma famille, car c'était un homme très secret qui parlait très peu, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan, mais un énorme pan de sa vie que j'ignorais. Donc quelque part, cette démarche d'écriture, c'est aussi une enquête sur sa vie. Je n'avais pas du tout la volonté de faire un livre d'intellectuel, je n'en suis pas une. C'est un témoignage très personnel sur sa vie, sur aussi sa famille, ses origines, l'Algérie. J'ai fait un voyage en Algérie avec ma mère l'année qui a suivi son décès pour découvrir ma propre famille que je ne connaissais pas. En aucun cas, je n'ai voulu analyser sa pensée, je serais bien incapable de le faire. En revanche, je rends hommage à ses combats. Je crois qu'il a combattu pour de nobles causes, en particulier pour l'islam des Lumières, et ça, j'ai voulu témoigner de ses combats. Je suis convaincue qu'entre un homme public, et en particulier un intellectuel, et l'homme privé, l'homme intime, il y a des relations très fortes dont personne ne peut se rendre compte à part les gens qui ont vécu dans l'intimité avec la personne. Et c'est aussi ça que je voulais montrer dans mon livre, c'est que sa pensée est absolument et totalement imbriquée dans son histoire personnelle, dans l'histoire entre l'Algérie et la France, dans ses déchirements successifs qu'il a pu avoir. Sa vie est faite de départs, de changements, de plusieurs vies. C'est pour ça que le livre s'appelle « Les vies » de Mohamed Harkoun. Et donc, il y a une interaction absolument permanente entre sa vie personnelle et intime, et ce qu'il a vécu dans ces vies-là, et sa pensée. Et c'est arrivé très jeune, au moment de son enfance et de son adolescence. C'est pour ça que je suis remontée aux sources, à la Kabylie, à son enfance là-bas. Je pense que c'était important de montrer l'homme qu'il était derrière le grand penseur. J'ai toujours été très sensible à l'Institut du monde arabe et à ses vocations, parce que je sais que mon père était très proche de cet institut, qu'il a participé aussi dès le départ à ce projet, qu'il en était très fier. Et d'ailleurs, après la mort de mon père, on a fait un grand hommage à l'Institut du monde arabe auquel ont participé ses collègues, des gens qui étaient proches de lui. Donc il y a cet attachement. Gilles Kepel m'a permis, a cru en moi sur ce livre, m'a permis d'être édité dans sa collection au PUF et je lui en suis extrêmement reconnaissant. C'est pour moi une grande fierté d'être reconnue par des gens qui sont des intellectuels. Encore une fois, je n'en suis pas une. Quant à Joseph Mella, je lui suis éternellement reconnaissante pour ce qu'il a écrit sur sa préface, parce qu'il connaissait absolument la pensée de mon père et aussi sa personnalité. J'ai hésité vraiment à me lancer dans l'écriture et ce qui m'a décidé, c'est quand le père Maurice Bormans m'a envoyé la correspondance qu'il a échangée avec mon père de 1954 jusqu'à 2000. C'était vraiment des amis de longue date, ils s'étaient rencontrés à Alger quand ils étaient étudiants tous les deux. Et ça m'a vraiment tellement émue de voir la trace de ces échanges entre mon père et ce père blanc auquel mon père était fortement attaché, car c'est eux qui lui ont donné son éducation à l'école dans son village kabyle, que ça m'a vraiment incité à écrire ce livre. Et je le remercie infiniment de m'avoir fait cette confiance, de m'envoyer toute cette correspondance.